してた感情が悲鳴を上げてる。確かな奇跡だけを求め消えない闇をさまよう。ここにいれば二度と未来見ることできない。今宵も月が誘って、まだ言葉出せないけど心の中叫び続けた。隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓いを手に、あとほんの少しだけ強くなれてる。憧れにあるこの空越えてゆくから、この先にある未来に消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。セミサビさ、かまわいちゅう。Dernier un peu, alors stop. Non, moi je pense que Hearthstone, je vais pas y revenir de sitôt.
Et pourquoi elle est supprimée à chaque fois celle-là? Bob l'éponge. Bob l'éponge. Salut des mots, comment ça va? Ça, la protection du golem, ça marcherait bien avec un autre truc que j'ai vu.
je sais plus où elle est. Voilà, avec l'attaque des golems. Ça me fait chier, j'ai pas beaucoup de fioles, j'aimerais bien histoire de me faire un deck Ezo que je puisse changer un petit peu, mais si je sacrifie les cartes or et compagnie. Ok.
summertime we were a unit. We were a pair. But look like it's all over now, darling. It's all out in the open. No more hiding, no more lies, no more disappointments. Everything's out in the open. There is nothing left to hide. I thought we had a garden of Eden. Je crois qu'il a pas dû prendre le bon truc. Ah, ça va, il a réussi à me la... J'arrive même plus à écrire. Yeah.
Ça c'est bien, mais c'est un peu cher. Pas. Ça c'est bien, mais c'est un peu cher pour pas grand chose en fait. On n'a rien en 6, on n'a rien en 7, on n'a rien pour le late game pour l'instant. La brumologue 6, ça peut être pas mal aussi. En éthérique.
Pas grand chose en 5 hein, par contre 5 6 et pas des masses pour ce deck Ezo Teluguard là. C'est pas mal mais ça coûte un peu cher. Salut Valentino, comment vas-tu? Salut Carpaccio. Ça va, tranquillou. Arriver, ça part en sucette. C'est d'actualité, ah bon? Je connais pas. Tellement d'actualité que je connais pas. Bonne année au Far West,
Salut Gaulle. Comment ça va? J'en ai 8, je vais pas me battre avec. Du coup, la bibliothèque enchantée, ça va vraiment être intéressant. Ça va, tranquillou. Les magiciennes de la nuit sont beaucoup utilisées en tellurique. Se donne plus un et prend embuscade. Effectivement, le fait que ça soit embuscade, ça peut être pas mal, mais j'essaye de faire un. J'essaye de faire un Teluguard en fait, Ghoul. Ouais, c'est l'interface de construction de dés, quoi.
Je sais pas du tout ce que le deck va donner, hein. J'essaye de le retoucher depuis un moment, mais c'est compliqué. Ouais, Lévi est complètement indispensable, et ça c'est une certitude. La maison en pain d'épices, avec ce que j'ai, c'est pas, ça peut être intéressant pour récupérer 2 HP, mais j'ai l'alchimiste émérite, qui restaure 5 HP, avec rite tellurique, qui est plutôt intéressante, parce que elle est quand même, c'est une 4 d'invoque, donc du coup, ça reste accessible assez en early. Au cas où t'en prennes un peu plein la tronche. Maintenant, après, ça va être. J'aimerais bien loger ça. La focalisation spirituelle permet de piocher des cartes. Le rite d'embrasement est pas mal, mais en même temps, quitte à mettre ça, autant mettre la maison en pain d'épices. Parce que du coup, t'as la même fanfare et en même temps, tu récupères 2 HP. Non, celle-là je l'ai pas, c'est Show, je sais pas, Flo, le sorcier. Non, je l'ai pas. Ça restaure la vie d'un point quand tu poses une amulette tellurique à chaque tour. Enfin, à chaque tour. Et, à chaque fois que tu invoques une amulette en fait. Salut Sweetie, comment ça va? Là, je pioche une carte à chaque fois que j'en brûle une. Du coup, celle-là, je vais peut-être la changer et mettre. Ça va, tranquillou. Où est-ce qu'elle est? Peut-être enlever ça et mettre ça. C'est un sort, c'est pas une amulette, mais. Ouais, elle est là, la longue vue, amulette pour piocher, c'est pour ça que j'ai retiré, le précepte de la création pour mettre l'autre pioche, l'autre moteur de pioche.
La mulette à côté de la 2-2. Ah, tu veux dire la bibliothèque enchantée qui permet de piocher des sorts? Ose, ose, ose. Non, je l'ai pas, ose, je crois. Ouais, enfin, dernière volonté, bannis tous les sorts de votre main. C'est un peu à double tranchant quand même. Alors effectivement, ça les fait passer à 1. Intérêt à les utiliser quoi. Ou de pas en avoir beaucoup. La crafter, de toute façon j'ai gardé exprès assez pour en crafter une légendaire. Ouais, je sais, ouais. Je sais, mais c'est pour faire le tri, en fait. T'inquiète pas, c'est pour faire le tri. Je mets les cartes qui m'intéressent et après je retire. Explosion sismique. Nice, c'est cool. J'ai fait 18 avec mon deck ecclésiastique, mais je suis plutôt en early dans le ladder, donc ça n'a peut-être rien d'exceptionnel. Je sais pas si je retire la protection de Golem puisque je joue Guard. Enfin, j'aimerais jouer un Telu Guard. Ou si je retire l'explosion sismique. C'est l'explosion sismique quand même, 5 points de dégâts à un adversaire, c'est pas dégueu. La protection de Golem, ça peut être intéressant avec le proc de. Elle est où?
Je crois que je l'ai pas misé. Je l'ai peut-être même pas crafté en fait. C'est l'alchimiste ancienne qui pourrait être intéressante. Parce que j'ai pas grand-chose en late game. Là, je commence à en avoir un peu plus, mais... Il y a ça aussi qui pourrait être intéressant, mais dans votre main transmutation gardien, mais en 6, ça en met, c'est surtout que ça en met 2 de plus et que ça soustrait d'un point. Alors vu que c'est 2 pour la transmutation gardien, du coup après je peux en faire pop pas mal. Et si le mec arrive pas à me, si le mec arrive pas à me clean le board, je peux les augmenter avec la protection de golem. Et ça me fait des tours vachement late game en fait. Enfin, quoique, pas spécialement, ça peut me faire un tour à 7. Amulette, du coup là je vais me retrouver avec un. Je pense que j'ai trop de sorts et pas assez d'amulettes là sur le sur pour le coup là.
N'hésitez pas à mettre de la musique, hein, vous avez le Song Request de dispo, les gens. J'ai les vis pour faire le taf, donc l'explosion sismique en soi. Enfin, quoique c'est 4 au lieu de. C'est 4 en mono cible, ou alors on a 6 en multi, au choix. Je vais retirer ça et je vais plutôt mettre. Wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real.